Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai terminé aujourd'hui mon coloriage d'Emmanuel Collin, la jeune fille avec les lis dans ses cheveux. Voilà, j'ai réussi à la finir entièrement aujourd'hui. Je ne pensais pas pouvoir la finir parce qu'aujourd'hui nous avions un rendez-vous, moi et Chouchou, assez important. Voilà, nous avons été nous faire vacciner cet après-midi. Voilà, ça y est, c'est fait. Enfin, tout à moins la première injection. Mais bon, au moins, on a déjà fait la première. On a eu le Pfizer, heureusement. Et la secrétaire, nous, on l'a fait en clinique. Et la secrétaire a de l'humour parce que elle avait voulu faire une blague un peu, il y avait un peu de monde. Elle fait « Ah, vous venez tous pour l'Astra, hein ?» Et je crois qu'on a tous vu rouge quand elle nous a dit ça. Là, je fais « Ah non, hein, je dis, c'est pas l'Astra, hein ?» Non, 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 sinon moi je repars. Donc voilà. Donc ça y est, nous on a une autre première injection et on aura donc la prochaine que je me trompe pas, le 10 mai. Voilà. Bon, ça c'est une chose de faite. Bon, moi j'ai eu droit malgré mon âge, bon, j'ai 57 ans, mais j'ai eu droit malgré mon âge par rapport à mon état de santé. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, j'ai toujours pas fait de jardin, hein, parce qu'il fait toujours un temps pourri. Voilà. Il pleut, fait froid. Et là, ils annoncent du gel. Enfin, il y a gelé ce matin, dans le nord. Les voitures étaient gelées. Toujours pas le jardin. Voilà. Bon, j'espère que ça va s'arranger, hein, parce que là, bon, je voudrais bien mes plantes attendre dans ma cabane de jardin. Du coup, j'ose même pas les faire attendre même dehors, parce que j'ai peur qu'elles gèlent. Donc, j'espère que là, on est quoi? Ben, on est que lundi, mais bon, j'espère quand même que d'ici la fin de la semaine, on va quand même pouvoir aller un peu au jardin. Justement... Chouchou va remettre les sacs à commission dans le coffre de la voiture parce qu'on avait été faire 2-3 courses en revenant du vaccin et le voisin au poulailler, il sort de toute façon il sort toujours hein, quand on arrive quand il, à croire qu'il est derrière sa fenêtre mais bon il me dit ah bah demain il dit à Chouchou il dit bah demain il dit je vais vous donner du brise-vue vert pour mettre au poulailler hein. Et la Chouchou a dit non j'en veux pas c'est pas la peine on met des canisses en bambou ah bon oui de toute façon on va entourer tout le jardin en canisses ah bon d'accord. Comme ça, au moins, il sait maintenant. Voilà. Et puis, il peut garder son brise-vue. Vous savez, c'est la toile verte, là, comme moi, j'avais déjà mis en bas de son poulailler. Il voulait me donner un morceau pour que je puisse remettre en bas de son poulailler. Enfin, il se le garde, hein, voilà. Comme j'ai dit déjà, je ne veux rien lui devoir parce que bon, j'avais déjà marqué ça dans un commentaire. Bon, c'est vrai que je vous parle beaucoup de lui en ce moment, mais bon, j'avais déjà répondu ça dans un des commentaires d'une abonnée. C'est un monsieur qui est gentil. Hein. Il n'est pas méchant du tout. Hein, voilà. Bon. Mais c'est le genre de personne, quand il vous parle, vous savez tout ce qui se passe chez les voisins. Voilà, vous savez tout ce qui se passe chez les voisins, parce qu'il vous répète tout. Donc moi, ça, c'est le genre de personne dont j'ai horreur. Donc nous, on lui en dit le moins possible sur nous. Quand on lui parle, c'est « oui, bonjour, il fait beau ». On parle des chiens, on parle, voilà, mais vraiment, la conversation,
minimum, hein. Il sait vraiment rien de ce qui se passe chez nous, sur nous, ou quoi que ce soit. Et donc là, c'est pareil, son brise-vue, on n'en veut pas. Comme de ses œufs, parce que bah, justement, il y a une de mes abonnées qui disait il devrait me donner des œufs, mais les œufs de ses poules, je n'en veux pas non plus. Parce qu'il m'en avait proposé, il m'avait déjà dit, quand vous avez besoin d'œufs, venez m'en demander. Non, 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 non. Parce qu'après, il viendra dire que j'étais faire la crevarde. C'est le mot que j'aime, ce mot-là. Hein. J'étais faire la crevarde à sa porte pour avoir des œufs. Et puis, il ira le dire à tous les voisins. Donc, non. Non, non. Si je veux des œufs, ben, je vais au magasin, je m'achète des œufs. Voilà. Parce que quand il nous avait dit ça, il nous a dit, hein, bah oui, un tel, je lui ai donné des œufs, un tel, je lui ai donné des œufs, un tel, je lui ai donné des œufs. Je savais déjà à qui il avait donné des œufs. Hein. À tout le quartier, je sais à qui il a donné des œufs. Donc, non, non. Moi, j'en dis, moi, j'en fais, moi, je prends ce qu'il me propose. Je suis tranquille. Voilà. Bon, en ce moment, je vous parle beaucoup de lui, hein, dans mes vidéos. Mais bon. Donc voilà, donc aujourd'hui, oui, bah, ce matin, pas grand-chose. Le ménage, un petit peu avec Chouchou. Voilà, j'ai un homme qui fait beaucoup mon ménage, donc c'est bien, mais bon, je lui donne un petit coup de main. C'est moi qui lui donne un coup de main, là, c'est le contraire. Et puis, donc cet après-midi, donc il fait coloriage, lui, il a fait son coloriage aussi. Ça me fait penser que d'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui refais une vidéo pour sa chaîne, là, avec ses coloriages qu'il a fait depuis le temps. Donc j'ai réussi, donc c'est ce que je vous disais au début, à terminer le coloriage d'Emmanuel Colin. Voilà. J'aime beaucoup, comme d'habitude. Et donc là, je vais en refaire un dans la semaine. Je ne sais pas lequel, hein, je verrai. Parce que là, j'ai une autre vidéo à vous faire entre deux. Bon, je ne vous dis pas ce que c'est, vous le verrez, hein. Voilà. J'aime bien vous faire des surprises. D'ailleurs, je pense qu'il y aura peut-être une vidéo surprise dans peu de temps. Sinon, c'est tout. Voilà. Bon, je vais vous laisser visionner la vidéo. Voilà. En plus, là, je suis en train de faire l'intro de ma vidéo. Il est déjà, enfin, il n'est pas tard. Il est 19h15. Là, je vais aller mettre la table pour manger, faire miam miam. Enfin, on ne fait rien de spécial ce soir. Un sachet de Roico, un bout de baguette. Et puis, on verra ce qu'on va mettre dedans, de la charcuterie, du fromage, on verra. On s'embête pas ce soir. Il y a des jours hein, comme ça où je vais mettre la table. Donc c'est pour ça. Là, je ne vais pas rester longtemps sur la vidéo. Non. Donc là, je voulais aussi encore remercier parce qu'il y a encore des nouveaux abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Très heureuse comme d'habitude, donc je vous ai dit là, on a dépassé les 4600 abonnés, c'est super. Maintenant, on vise les 5000, hein? On va viser les 5000 abonnés. Qui sait, un jour, peut-être les 10 000. Bon, je suis pas pressée, hein? Je ne fais pas la course aux abonnés, hein? Pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, avoir des nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et au passage, des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne dans le moteur de recherche de YouTube. Voilà. Allez, je vous fais plein, plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bon visionnage!